Bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de la présentation des vannes Chevrolet 1974 chez Highway 61. Je vous avais dit que j'en avais trois, donc je vous présente le dernier sur cette vidéo. Donc je ne vais pas trop m'attarder parce qu'au niveau des détails, c'est le même. Donc, vous voyez, j'ai même sorti de sa boîte parce que la boîte ne présente plus le même intérêt puisque c'est exactement pareil. Et vous avez donc au niveau de la carrosserie quelques changements et des améliorations. À savoir, donc par contre, la manipulation reste toujours la même, hein, très fragile. Alors là, j'ai pas mis les rétros sur celui-là. Ils sont dans la boîte encore. Donc là, pareil, hein, toujours les déflecteurs qui pivotent. Petit détail chez Highway 61 qui a son importance. Mais vous avez ce détail vraiment très important. Donc, comme je vous disais, la finition change un petit peu. Alors, je vais le poser parce que très lourd, très fragile. Et comme vous pouvez le constater, sur celui-ci, vous avez un gros décalque. Alors, on voit bien la marque, hein, du décalque. Avec la, je sais pas si avec la lumière, on va le voir. Essayez de le prendre en faisant attention. Voilà, vous avez bien le tour du décalque qui apparaît avec la lumière, avec ce gros chevalier un petit peu à la Seigneur des Anneaux. Vous avez une livrée noire, donc pareil, magnifique, la peinture est vraiment très jolie. Les jantes que moi j'adore parce que ce sont des jantes que l'on retrouve notamment quasi à l'identique sur le General Lee et sur le van de l'agence Tourisque. Alors moi je trouve que ce sont des jantes qui se marient très très bien avec ce modèle de van. Vous voyez? Superbe, vraiment rien à dire. Donc sur l'avant du véhicule, vous avez une inscription. Razeta, Rafreta, j'ai jamais réussi à le déchiffrer correctement, je vous cache pas. Je pense que ça a un rapport avec ce chevalier sur son cheval là, mais j'ai jamais réussi à le déchiffrer correctement et de le prononcer correctement. Donc au niveau de l'avant, bien sûr, hein, on retrouve cet avant énorme du van Chevrolet. Le look est identique. Et sur le côté, donc vous avez encore ce chevalier, donc dans l'autre sens, celui-ci. Alors, petite particularité, c'est que le décalque vieillit un petit peu mal. On peut le voir au niveau de la porte. On voit bien au niveau de ici qu'il est coupé sur la longueur, en haut et en bas. Donc le décalque vieillit un petit peu mal. Celui-ci. Un peu dommage. Parce que pour des bandes qui valaient dans les 99 euros. Donc l'intérieur, c'est le même principe, hein. Moquette rouge, imisation cuir noir, le miroir sur le minibar, le van, les sièges tournants, etc., etc. Donc vraiment, tout y est. Vous avez vraiment la même finition pour les deux premiers avec celui-ci, à part le décalque que je trouve un peu fragile. Donc vous avez le lanterneau sur le toit qui s'ouvre lui aussi, les portes arrière bien sûr. Alors je vais vous passer l'aspect mécanique puisque c'est exactement le même principe. Les deux premiers que je vous ai présentés, et donc on va rester vraiment sur l'aspect physique de la bête avec ce côté custom toujours très joli. Donc bien sûr, hein, c'est du Highway 61, les arbres de transmission tournent, les roues tournent, il y a de la suspension, les ouvrants sont tous là à part le capot comme sur les deux premiers. Voilà, je peux
Par rapport aux deux premiers, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. À vous après de vous faire votre idée par rapport à tout cela. Et puis je vous laisse surtout, si vous les trouvez, si vous les achetez, découvrir les trois autres modèles que moi je n'ai pas. Donc je vous les présenterai pas, hein. Je vous cache pas. Donc si vous les trouvez, ce sont des très très beaux vannes à avoir absolument. Après, bon, bien sûr, ça représente un certain budget. C'est pour ça que les trois autres, je ne les ai pas. C'est qu'il faut ce budget. Et moi, je vous conseille, en tout cas, si vous aimez ce type d'engin, de vous les procurer. Ça rend super bien dans une vitrine. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Top Miniature Automobile. N'hésitez pas à me laisser les commentaires que vous souhaitez. Et surtout, à vous abonner si vous aimez ce que je vous présente. Au revoir à tous.